Et coucou, alors nous sommes toujours le mardi 13 novembre, 13 décembre, pardon, 2022. Il est 5h moins 10. Je vais vous faire la revue du passion 4 créatif. Alors, dans le passion 4 créatif, avec, il y avait un gabarit d'une enveloppe prête à découper. Voilà. Il y avait donc aussi un kit pour faire des cartes. Voilà. Donc ça, je vais vous le détailler maintenant. Comme ça, après, on n'y pense plus, on n'en parle plus. Alors, là, vous avez un washi tape. Donc, c'est Asa qui fait ça. Donc, bien évidemment, parce que Passion 4 Créatives collabore beaucoup avec Asa. Donc, vous avez un washi pailleté, rose, une très jolie rose. C'est la première année qu'ils font ce genre de kit-là. D'habitude, ils mettent toujours des tampons. Mais toujours des tampons en cadeau. C'est une très très jolie rose pailletée. Voilà. Bon là, il donne pas vraiment rose, hein. Il donne une couleur chair, mais c'est toujours une couleur rose. Ensuite, vous avez le tampon. Ça donne ceci. Voilà. Ensuite, vous avez un lot de cartes. Vous avez donc deux cartes doubles. Je pense que ça doit être du 15 par 15. Ouais, c'est des cartes 15 par 15, c'est des cartes doubles. Là, dès que tu touches, à tout qui tombe. Donc 15 par 15. Donc vous avez deux roses. Et vous avez trois rouges comme ceci. Alors, normalement, j'ai la liste. Alors, trois feuilles de papier imprimées A5 Noël, une planche de Sennett imprimée A5, ça je vais vous les montrer. Un micro-tampon, donc Joyeux Noël. Donc, vous avez ici la référence. Voilà, les références. Donc, deux cartes 15 par 15 rose poudrée, donc c'en exclut. Trois cartes 10, 15 par 15 lit de vin. Et vous avez un ruban adhésif pailleté, champagne, moi je dirais plutôt rose. Donc vous avez les références. Voilà. Et vous avez, bon après là il y a le matériel à prévoir en plus. Voilà, donc vous avez de quoi faire des cartes, voilà des petites idées pour faire des cartes sympathiques. Montrer. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Là, vous avez les modèles, enfin les propositions de cartes qu'il y a. Il y a cinq propositions, cinq idées. Donc, c'est les créations de Stéphanie Schoenbrout. Cinq cartes pour 5 fois plus d'amour. Donc, vous avez, voilà, les. C'est pas vraiment des tutos, hein. On vous explique les étapes à faire. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Après, peut-être que je pourrais les refaire en vidéo. Mais je pense que ce sera pour l'année prochaine, hein, puisque c'est pour la fête, pour cette période-là. Donc, je ferai certainement pour l'année prochaine. Donc, je vais essayer de remettre petit à petit les éléments dedans.
Donc voilà, ils appellent ça kit express carte de Noël. Voilà, donc c'est un kit express. Ça colle ces sachets là. C'est pas pratique quand on veut tout remettre dedans. Là, le tampon. Le washi, je le remets comme ça. Ça, je vais... Ah, pardon. Pardon. Je vais pas refaire la vidéo pour si peu. Hein. J'ai autre chose à faire que de refaire la vidéo. Donc ça, ça me gêne. Ça, c'est pas sa place. Ça, à la poubelle. Pas grave, je ramasserai après. Donc les cartes, je vais également les remettre dedans. Après, je mettrai un petit coup de scotch sur l'emballage. Donc après je rangerai après le reste. Là vous avez les die cuts. Je fais une vidéo. Là vous avez les die cuts à découper. Ils appellent ça les scénettes à découper. Voilà. Et les papiers, vous avez trois feuilles. Voilà. Vous avez cette couleur là. Bon, son recto verso. Vous avez celle-ci. Donc ça c'est un rose assez clair, rose poudré. Vous avez ce papier-ci, qui est très très joli. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci, qui est très très joli, je crois que c'est mon préféré. Très très joli. Et vous avez celui-ci. Voilà, donc là je vais, ça va bientôt être l'heure de la prière, donc je vais vite faire, vite vous filmer le magazine. Je vais pas tout vous filmer, hein, vous vous doutez bien, je vais pas tout vous montrer. Donc c'est le Passion Carte Créative spécial carte de vue 2023. Donc exclu. Alors, 50 modèles exclusifs. Donc là, vous avez l'édito. Il va falloir que je regarde pour un carton. Comme ça, je mets tout dedans. Comme ça, dès que j'ai tout fini, je l'envoie. Alors, là, vous avez le sommaire. Là, vous avez donc la sélection pour faire les cartes. Ensuite, vous avez sur deux pages. Ensuite, là, vous avez les entames de talons. Là, vous avez donc, c'est le moment. Donc là, vous avez la beauté des cartes complexes. Là, vous avez un tuto, donc meilleur merveille cristalline de décembre. Donc là vous avez un tuto sur illumination de fin d'année. Là vous avez concentré de magie. Ici je vais vous montrer directement les papiers. Là vous avez le tuto ici pour pliage technique. Donc là ça c'est avec des pliages, donc c'est un peu compliqué pour moi. Là vous avez des papiers, donc ça c'est de Asa. Donc là vous avez effet pull moche. Ici vous avez des serres. Ici vous avez des flocons de neige, toujours de chez Asa. Ici vous avez ce côté là, ensuite celui-ci qui est très joli aussi, ce côté là,
Voilà, là vous avez le même que ce que je viens de vous montrer. Quand j'arrive pas, là vous avez la même que cette couleur-ci, mais une couleur différente. Là vous avez deux gris mini création pour faire des cartes. Voilà, ici le verso, ici également pour faire une carte, le verso, là également avec faire des cartes, ici des petits sentiments. Là aussi. Là, vous avez ce côté-là, vous avez des points. Ici, vous avez des tags. Et là, vous avez ce fond-là à l'arrière. Donc ça, c'est la suite du tuto. Là, vous avez à la une, donc la tendance mood board. C'est vrai que c'est beaucoup à la mode en ce moment, les mood boards. Ensuite, là, vous avez le secret de 365 jours inoubliables. Donc ça, c'est les cartes à faire avec les imprimés que je viens de vous montrer. Là, c'est un tuto, donc c'est carte en forme de marque-page à offrir. Voilà. Ensuite, là, c'est rencontre, le plaisir de correspondre et de partager. Voilà. Là, c'est une passionnée à l'honneur. Ici, vous avez quelques créations de Mani. Là, vous avez ce qu'il va avoir dans le prochain numéro. Non, dans le numéro 68. Voilà. Et donc, du coup, la vidéo est à présent terminée. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye bye! Thank you.